Monsieur le maire, d'abord, pouvez-vous me dire quel est votre livre préféré ? Bonjour, d'abord. Mon livre préféré, c'est Croc-Blanc. Croc-Blanc, c'est Jack London qui l'a écrit. C'est l'histoire d'un chien loup, né à l'état sauvage, et confronté à la vie des hommes, parfois cruels, de la société de l'époque, c'est-à-dire la rue et vers l'or. Quel est votre plat préféré ? Alors, j'ai un plat préféré, c'est le plateau de fruits de mer. Je sais que mon collègue de Fontenoy adore ce type de plateau aussi, mais j'ai la même chose que lui, et j'adore manger, j'adore déguster le plateau de fruits de mer, et puis voilà, je déguste avec délice. La chanson qui a bercé votre vie, votre existence, ou un moment marquant ? Alors, la chanson préférée, il y en a des tas, mais disons que c'est Sweet Little Sixteen de Chuck Berry en 1958. J'étais pas très vieux, mais ça a bercé mon adolescence, puisque c'était le début du rock'n'roll, un changement de musique complète. Et Luis Mariano et les Tigor aussi étaient balayés par cette nouvelle génération. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Qu'y a-t-il en fond d'écran de votre téléphone portable ? Alors, en fond d'écran de mon téléphone, ce sont les photos de mes deux petits-enfants. Marceau et Rose. Marceau qui a 14 ans et Rose qui a 11 ans. Voilà. Un sport que vous pratiquez ou que vous suivez ? Ah, oui, un sport, j'avais pratiqué, hein. C'était le cyclisme. Et je le suis toujours. Mais c'est une école de volonté, le cyclisme. Et j'avais une idole, qui s'appelle toujours Eddy Merckx. Voilà. Les gars du Nord. Toujours les gars du Nord. C'est exact. Oui. Monsieur le maire, quelle est la qualité que vous recherchez prioritairement chez les autres ? Bon, c'est ça, la franchise. Voilà, c'est une des qualités importantes pour moi. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Je vais bien. Ben oui, il faut le dire, toi. Je vais bien, bien sûr qu'il y a des soucis quotidiens au sein de la commune, hein, le voisinage, les incivilités, des choses comme ça. Mais sur le fond, ça va, c'est bien. Et puis j'ai de la chance d'avoir une première adjointe disponible. Franchement, on partage le travail et c'est formidable. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes maire en place depuis 12 ans. C'est exact, oui. Pouvez-vous me dire quel bilan vous tirez de ces 12 dernières années de votre mandature ? Oh, c'est un bilan positif. Hein. Nous avons mené des projets importants au niveau de notre commune. Nous avons rénové complètement notre appartement de fonction, de fond en comble la mairie, les écoles, les classes des écoles, rénovées complètement, la classe d'école remise aux normes, l'assainissement qui est arrivé, puisqu'on fait partie de la communauté de Grand Soissons, l'assainissement, la voirie, on a refait l'intérieur du village, plus le hameau, on pense au hameau, les enfouissements, toutes ces choses-là ont été réalisées ces 12 dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous n'êtes pas dans la communauté de communes de Retz-en-Valois, mais la question vaut quand même pour vous. Depuis 3 ans, vous avez muté de communauté de communes, en tout cas changé de... Oui, la communauté de communes est devenue communauté d'agglomération, parce qu'au départ, c'est 50 000 habitants. Voilà. Et maintenant, c'est Grand 60. Ok. Et ouais. Est-ce que ça a eu une incidence réelle sur la commune d'Olicourt-Il ? Oui, certainement, oui. Nous avons pu bénéficier en adhérant à cette structure plus importante. Bien sûr, c'est une petite commune rurale,
on va dire, on n'est pas très écouté si on ne monte pas au créneau. Mais on a pu avoir, si vous voulez, l'assainissement qui a coûté plus €1,2 million. Et la commune n'a pas versé un seul centime. Voilà. Donc ça, tous les habitants ont pu apprécier ce raccordement collectif et disposer, si vous voulez, d'un avantage qui est très important. Quel que soit le résultat des prochaines élections communales, d'après vous, quels sont les projets importants à avoir pour la commune d'Olicourtil? Ah, les projets, il y en a toujours. Il faut toujours en avoir. Il ne faut jamais vivre avec tout ce qui s'est passé. Il faut toujours se projeter vers l'avenir. Et même, disons, sur un moyen terme. On a toujours de la voirie. On va continuer l'enfouissement. Il y a une troisième tranche qui est lancée. Bon, c'est peut-être pas moi qui vais la réaliser. C'est peut-être d'autres. Si... Mais ben, on lance toujours des projets. Je vous disais, donc, la voirie, et puis, il faut sauvegarder notre école, c'est important. Donc ça, il faut s'y attacher. C'est l'école qui fait vivre un village. L'école, c'est l'avenir, pour nous. Monsieur le maire, pensez-vous que le moment soit venu de revoir le statut d'élu municipal, qu'il soit maire, adjoint ou conseiller? Non, bien sûr. C'est important parce que c'est le serpent de mer, le statut de maire. Parce que de toute façon, ça fait des années qu'on en parle, ça n'évolue pas. Surtout pour les maires de petites communes rurales où tout est à notre charge. Les incivilités, on n'est plus respecté. Les indemnités, n'en parlons pas. Ça ne couvre même pas les frais. Quand le maire d'une petite commune comme ici, c'est 580 € par mois. L'adjoint au maire qui passe tout son temps ici en même temps que le maire, parce que voilà, c'est un binôme indissociable, qui gagne 240 € par mois, c'est inadmissible. Voilà. Parce que de toute façon, c'est un sacerdoce. Mais le problème qui se passe, c'est que maintenant, le maire qui va travailler ne pourra plus exercer convenablement son métier, parce que c'est un métier, c'est devenu un métier. Il faut du temps, on y passe entre 25 et 30 heures par semaine, entre les réunions qui se font à la mairie, qui se font au sein du CIVOM, parce qu'on a aussi le CIVOM, on a les écoles, et on a la communauté d'agglomération de Grand Soissons, où là il y a des réunions qui s'éternisent, qui ne durent pas une demi-heure et trois quarts d'heure, qui durent des heures. Donc ça, il faut une disponibilité pour celui qui travaille, c'est le genre de choses qui devient impossible. Voilà. Monsieur le maire, prêt à repartir pour un nouveau mandat? Vous allez y aller? Un nouveau mandat, c'est pas sûr. J'avais dans ma tête déjà envie de m'arrêter. Le temps passant, peut-être que je me remets en question, mais j'y pense pas tous les matins en me rasant, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, si je dois me représenter ou pas, ce sera annoncé au conseil municipal. Je pense faire une réunion prochainement pour le dire officiellement. C'est pas l'envie qui m'en manque, ça me plaît. Mais j'arrive à 70 ans et voilà, le temps passe. Je me pose toujours la question quand même. Mais à l'instant T, c'est pas prévu. Et peut-être que j'ai oublié une question dans notre rencontre, ou il y a une chose qui vous tient à cœur dont vous aimeriez parler. Monsieur le maire, vous avez la parole. Oh non, dans toutes les questions, c'était clair et précis, je veux dire, on y a répondu. Je trouve même formidable d'avoir donné la parole à des maires de milieu rural comme ça, de petites communes de 300 habitants. C'est très rare, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, je suis un vieil élu. Non, moi je ne regrette pas d'être devenu maire. C'est un métier passionnant. Il faut être apathique. Il faut, tout en restant ferme, il faut avoir du contact avec les gens. Ça fait, j'aime les relations humaines.
il faut plutôt rassembler que diviser. Alors, c'est... Monsieur le maire, merci beaucoup.